Yo les Jones. Un jour je serai le meilleur Yab. J'asserai tous les Pokémon. Salut. Les amis, bienvenue pour cette chasse Pokémon numéro 3. C'est une chasse imprévue en ce dimanche après-midi avec un monsieur qui est descendu dans ma ville. Non, moi c'est une madame. Voilà, madame Tony Boyer avec son cousin Florian. Dorian, pardon. Excuse-moi. Vous êtes quel... Vous êtes quelle équipe sinon? Marron. Non, vraiment. En fait, t'as d'où là? Du mélangé, ouais. Ouais. Et le gars, il triche. Rouge et rouge, ça fait rouge. Ah, d'accord. Moi, je suis team bleu. Bon, bah, team mystique pour toujours, c'est pas grave. C'est ici que nos chemins se séparent. On les pardonne. T'es mon cousin aussi, team rouge. Quoi de problème avec team rouge là? Je comprends pas. Je sais pas, parce que rouge, c'est rouge. Ah, mais rouge, c'est ma couleur préférée, mais je prends team bleu parce que c'est les meilleurs. Hein? Première fois, il y a la caméra vlog pour la chasse Pokémon. Ouais. Il y a un Magikarp. Et donc on a fait notre podcast avec ça aussi. Ouais. Bon les amis, première. Comment c'est ça, ou... bah, c'est le S7. C'est intégré. Est-ce qu'il y a pas d'avis plus Pokéstop? Il y a plus de Pokéstop côté Améry. Bah alors on touche pas. Après on va dans le sens. Vous connaissez que ça arrive à Metal là? Non. Ma pour jouer. Ouais. Et genre tout d'un coup, le train il s'en comme Ah ouais, recommence à ouais, recommence à. À 0, t'es niveau 1, les diamants choisis un garçon ou une fille. Sérieux? Et après, tu sais, comme ça, choisis carapuce ou bien truc. Allez, mon Pikachu, gars! Oui, mais moi, déjà niveau 14, ah, d'accord. Les diamants recommencent toutes. Ah oui? C'est un défi. Et genre, en fait, bah, après, c'est juste ma connecter avec le mauvais compte. Voilà. D'accord. Fin de l'histoire. Je me suis fait des balles à effet avec un pouce, ça ne marche pas. Est-ce que je te rends compte que m'avait envie de chier ici? Et après mon envie de chier a tellement monté que nous avons parti et nous avons mangé un bébé de fraisier. Ouais. Mais le fraisier là sort tout de suite. Dans la pâtisserie? Ouais gars. Ma pâtisserie. Dans la pâtisserie. Ah mon dieu. C'est la première fois qu'on voit des Voltorb de notre vie entière. Alors voilà, j'ai une question pertinente et intéressante. Pourquoi il y en a des arènes, il y en a plus de Pokémon que d'autres arènes? Voilà. Eh bien, je vais répondre à cette question. Si monsieur là. En fait, ça. Oui. En fait, ça dépend du niveau de l'arène. T'as remarqué, il y a des chiffres sur les côtés. Ça dépend de la, comment dire, le niveau de prestige de l'arène. Et plus l'arène a un niveau élevé, peut elle permettre des Pokémon dedans. C'est-à-dire qu'une arène de niveau 10, je crois, peut mettre 10 Pokémon, un truc comme ça. En fait, elle est quand même pas cochon. En plus, on a de l'argent, plus on les mettre. C'est ça, c'est ça. Cochon dedans. Sauf que j'ai de l'argent. Allez, à moi. Allez. T'es bien trop bien, non? Allez, 10 big up. Ça c'était un Pokémon. Alors Dorian, faut se trapper un peu là. On est dimanche, ils vendent des sorbets. Tu veux un sorbet Tony? Non, je veux un Bessor. Un Bessor. Bon, je vais rester en 3G. Mets-toi taille après fait danse malorien. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coin? Dans le coin, hey, dans les le gars, coin ils ont... Viens voir dans le coin. On a de la poussière dans le coin. Qu'est-ce qu'on a dans le coin? Un ratata. Non, hé les gars, ils ont fermé Pokévision. Ouais. Fermé. Ouais, ils ont fermé. Ouais, c'est ça Twitter. Puis la mise à jour. T'es sûr, c'est grâce à ça, là, qu'il tape dans le fag. Ouais, gars, c'est comme ça. Ouh. Un Pokémon sauvage passe. C'est ça, un genre Nutéri. Un Tina sauvage. Ah, la reine est devenue blanche, la mairie, à l'embarré. Bah, où ça arrive là-bas. Et à cette bonne fousette, bravo feu. T'as le là où tampon, on avait une arène. C'était quoi encore? Ah ouais, le plus faible, c'est Coconut, je sais pas quoi. C'est 2240. C'est quoi les ça gars, les gars, ils passent leur vie à marcher dans la ville partout. Genre hier, hein. Soit les gars, ils ont de l'euro, mais c'est possible. Hier, ils passent Baracho à 3h du matin. Je sais pas quoi, ça me fait Baracho à Zot, hein. Ouais, ouais. Et bah, on avait demandé de jouer Pokémon encore. Ouais. À 3h du matin. Bah oui, bah alors. Ben ils squattent les Pokéstop avec autres prises et tout. Ouais. Multiprise, n'est-ce pas? Oui. Mais chien, il y a la bonne game avec multiprise, frère. Bon, t'es dans quelle équipe toi? On est à l'Inacron. Rouge. T'as quoi comme Pokémon? Ouais. C'est quoi comme PC? 737, 714. Bon, bah allons attaquer l'équipe jeune or. Dinena Magma aussi. Alors, allons attaquer. Tu sais qu'on peut attaquer deux équipes différentes, une marraine. C'est oui, ouais. Là, coup d'autres vlogs, m'a vu que t'es possible. Avec ce de gars jeune qui fait croire qu'il est bleu. C'est ça, c'est pour raconter mon cousin le gars il fait ouais je suis bleu. Ah après le gars baisse la reine derrière moi. C'est un f. Mais à moi il reste à moi 6 pouces. Peut-être que 6 pouces on peut essayer un truc. Je peux tenter. Hein, fermer la session. Regarde, essaye pas. Essaye même pas de rentrer. Oh là 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 là. Attention les gars, on va traverser la route. Lui il s'en fout. Cheese. Fromage. Ah mon dieu. Et donc... vrai, cours, Anthony. Cours. C'est pas grave. Regarde, comme ça, plus au même. Je sais pas. Oui, il y avait une arène dans le fond là, et c'était trop rigolo parce que le gars mettait un paras niveau 10, mais arrivé avec mon galopin niveau 789, Tu vois, quand tu prends une arène là,
pour monter sa réputation et pouvoir mettre d'autres Pokémon, mais tapez des Pokémon faibles de taille que tu récupères dehors. Donc ne jetez pas vos Voltorb, ne jetez pas vos Rattata, utilisez-les pour vos arènes. Petite astuce comme ça, c'est cadeau. C'est ça, mettez petit mon cousin aussi. Nouveau défait ça, mais bon. Il y a pas de mal à se bloquer là, commence à dire bah oui, mais recommence le jeu et tout. Réinscris-toi, c'est vie. Exactement ça. Donc là, on va monter devant la police nationale. Pour aller voir à la plaine des palmes, le gars dans l'auto. Devant la police. Ouais. Les guerres de Pokémon devant les flics. En conduisant ? Oui. Mais vous connaissez l'interdit quand même ? Ouais, bof. Bof. Genre la police dit monsieur Boyer, vous arrêtez tout de suite. Ouais, bof. Hein. Okay. Bon, normalement, ça devrait être l'euphorie le dimanche après-midi devant la mairie. L'euphorie, c'est un Pokémon ça ? Oui. Mais non, c'est pas l'euphorie. Il y a le Vénard, je connais. Le Vénard, c'est celui qu'on a le plus. Tu connais le Vénard là ? Il a beaucoup de chance, hein. Parce qu'il est un vénard. Eh ouais. Eh, Philippe. T'es l'école du rire. Oui. Hein, c'est un chien. J'ai entendu la blague. Non, c'est pas toi qui a fait la blague là, c'était qui? C'était Amixem. Il y avait la blague sur ce Oui, chaîne. Et Bulle Bizarre. Oui. C'est un beau bizarre. Cette lancée de fin de vlog, j'arrête de faire des vidéos. Allez, au revoir. Tu cherches pas un stiflant, toi? Tony lance un nouveau concept de vidéo, c'est-à-dire. On va draguer des meufs avec Pokémon Go. Mais pas aujourd'hui. T'as quoi comme Pokémon là? Il a 5%. Non, pas toi. C'est un Pokémon ça, 5%. 5% c'est un Pokémon? Oui, je l'ai refait. C'est comme Zarbi et tout? Ouais, c'est ça. Et non, pas là dedans, non? Les Zarbi. Y'a pas encore, je pense. Regarde là, tu vois, y'a le petit groupe de Pokémon jaune. Enfin, Le petit groupe de joueurs Pokémon jaune en face. Ouais, j'ai attrapé un Magnéti. Ben 2. Y'a ça, Sunny? Mais Sony. Les gars, à Saint-Pi, y'a que ça. C'est Benoît Navé. Et ce monde avait un nido. Comment appelle? Un nidoran Rhino femelle. King, je sais pas quoi. Un Rhino Rhinocorn. Rhinocorn. Alors ça, Rhino ça joue. King. Ça joue. Les gens, c'est le roi des rhinocéros. Bah oui, bah c'est un animal. Enfin, un Pokémon, comme tous les autres. On va essayer de casser du Léviator. On va. Et du Aquali. Quoi, Nina et Léviator là-dessus? Oui. Bah, je vais déposer mon Mewtwo. Et par contre, il fait chaud, hein. Non, pas trop. Il me reste un poids. En fait, si mes pieds là, c'est parce que mon batterie s'est coupé. C'est pas ouais. Attends, il va taper. Voilà, allez, allons. Allez, souffle. Allez, dos. C'est parti. Hypocéan t'as qui? Bah, Hypocéan m'a tué. Yéga, que ce soit simple, comme une amitié. Aïe, m'a pas choisi mes Pokémon en fait. Ok, c'est bon, Electrode sur Léviator, ça devrait passer. J'espère pouvoir charger mon attaque au moins. Ah, maintenant, il comprend pourquoi tu vois mon Pokémon de ce côté, parce qu'il y a des batailles avec nous. Oui, c'est pour ça. Alors, toi, tu vois mon Mystère. Merci, attention, regarde ça. Tonnerre dans la bouche du Léviator. Et voilà, oh là 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 là. Mystère, utilise ce bombeur. Frère, pourquoi je suis Mystère sur les. T'as Mystère combien? 377. Ouais, mais on m'a fait bombeur hein. Ok, t'es tard sur Léviator, c'est parti. Rapace de pique. C'est parti les gars, on est sur. Vous voyez le rapace de pique de Tony en action. Face au Léviator, on est dessus, attention. Attaque spéciale de Tétartre. Ok, on charge. Il manque encore, il y en a encore. Aquali, ah mon dieu. T'es, j'aime pas ce qui tourne là, ce Pokémon là. Attention, attaque spéciale sur Aquali. Il est moche, il y a quand même. Ça va, j'aime bien. On dirait. Est-ce que ça te rappelle Jack et Daxter? Non, mais c'est pas grave. Quoi, on connaît pas Jack et Daxter? Non, je crois pas même pas. T'as quel âge toi? 27 ans. 27 ans? Bon, bah c'est pas grave. Et pourquoi mener un Roucarnage? Maintenant, on aurait dû avoir un. Hein. J'ai un Roucarnage aussi, Roucarnage sur Aquali. Les gars, je pense qu'on va perdre cette arène. Tiro! Ah mon dieu, j'ai un Pokémon Feu contre un Pokémon Eau. Minano sur Alto. Seigneur de Dieu. Allez, c'est parti, on va peut-être essayer de réussir dedans. Par contre, le seul problème, c'est qu'on va réussir à casser l'arène. Sauf qu'ils vont nous reprendre derrière en fait. Hein, comme des vrais. Surtout que Minano est poisson, donc c'est pour ça me guérir avant 20 Pokémon. Trop pas les excuses. Mais sont à quoi l'e-bug là-bas Il reste un tout petit peu de vie, tu peux le tuer, vas-y. Ma pute Pokémon. Ah, moi j'ai un Pokémon, ça bug. Oh. Ah si, c'est pas qui, électrique. Oh, ça hack. Allo, ôté, le gars a besoin de l'attaque, elle retient mes directs. Moi aussi. À quoi aller, down. C'est bon, la reine était down. Oh. On va régner tous les Pokémon, on va leur faire. Parce que là, la réputation a juste descendu en fait. Il faut descendre la réputation encore plus, qu'elle allait passer de niveau 3 vers le niveau 2. Et il faut encore plus la descendre pour pouvoir prendre la reine. Même batterie m'a plus, donc ça réanime mes Pokémon. Et moi aussi, je vais réanimer les Pokémon et on se retrouve tout de suite pour le prochain match d'arène. Non, parce qu'en face de nous, il y a des mecs de l'équipe jaune qui campent devant l'arène et qui donc remettent des Pokémon dessus et montent l'arène. Et du coup, on a du mal à descendre l'arène, mais on va le faire parce qu'il y a qu'un Léviator et un Aquali. Ça devrait pouvoir le faire. J'attends que mes deux compères s'assoient avec moi pour prendre l'arène. Ça critique Pokémon derrière. Je sais pas, vous avez vu le podcast qui m'occupe les haters. T'es, c'est ça, Magnéti prend les Zidane qui me lance un Pokéball. Les viens parler dans la fontaine. Avec les fables.
Ah, d'accord. Les fables de La Fontaine. Tu sais comment il appelle l'évolution de Voltorb? Voltea. Je veux plus voir Maïla. Vous voulez pas qu'on aille dans La Fontaine pour jouer? Bon, maintenant que ma plus de batterie, ben bah, Misa amuse à moi à faire le gars qui fait la musique et tout. Ok. Go. Mon magnéto, on se fait agresser. C'est bon, magnéto, congélateur, on va essayer de lancer l'attaque spéciale. Attention, tonnerre dans sa bouche. Ah, c'est pas un tonnerre que j'ai, moi, en fait. Ouh là là. Mais c'est une attaque spéciale à la bouche du Léviator, mon gars, il a rien compris. Attention. Il est trolls sur Aquali, et les trolls sur Aquali, on est sur. Mais c'est qui l'autre gars? Je sais pas. Comment tu sais que il y avait un rapace depuis tout à l'heure, mais il y a un troisième mec. C'est fini. La reine descend du niveau 2, donc on pourra la reprendre pour essayer de mettre nos Pokémon à la place. Et c'est parti. Coup de batterie clignote. Du coup, on a réussi à faire tomber la reine jaune. On était donc un rouge et un bleu. Mais les gars ont remis juste leur Pokémon juste derrière. Ils ont remis un Pyroli, un Voltali et un Dracolos 1600 ou 2000. Mais c'est d'autres, quoi. J'ai l'impression que les gars dorment un peu sur Pokémon Go, c'est pas grave. Ça doit bien marcher quand même, hein, toute la journée. En tout cas, on va essayer de prendre quelques Pokémon dans le coin. C'est-à-dire des Magnéti. Mon Zef Cyclo. Son Zef. Donc, si vous êtes intéressé, Tony vend des sachets pralines. 10 centimes, sachets pralines. Alors, en fait, Tony va ouvrir une chaîne de cuisine bientôt. Nous, ça va, Mezzo. Une cuisine créole, oui. Nous, ça va, Mezzo. Ouais. Esther, Nena, pâte farcie à la viande de bœuf, accompagnée d'une sauce curry. Ouais. Donc, Miguel, c'est pas très. Non, c'est indie, sauce indie. Ouais. Et Misael, comme ça, elle est un peu bizarre de prendre de la viande farcie de bœuf et de prendre la sauce indie. Ouais. Elle fait, ouais, mais moi je prends pas trop ça. Mais ça m'a voulu dire, elle, c'est que, à premier aspect, il explique elle, bœuf, malbar, religion, sauce indie, ça le fait pas. Ouais. Et elle a pas compris même. En gros, malbar, elle ment pas bœuf. Ah, oui, si on dirait pas compris. Si, mais j'ai compris. Mais elle avait pas compris. D'accord, et elle, voilà. Qu'est-ce qu'elle disait tout le temps? Oui, tout à fait, oui, mais au pire, tu prends ça. Et action! Et bien, les amis, c'est la fin de cette vidéo Pokémon Go. Donc, la troisième en compagnie de Tony et son cousin. On a essayé de prendre la reine jaune. Enfin, j'ai fait l'outro avant, donc je sais pas si on l'a prise ou pas. On aura tenté de combattre les jaunes jusqu'à la fin en coopération avec les bleus, Team Mystique et la Team Rouge. Je sais pas c'est quoi le nom, Instinct? Bravo, un truc comme ça. Bon. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous êtes partis voir le podcast que j'ai sorti. Si c'est pas déjà fait, allez-y. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Allez, salut. Et en fait, le gars est menti parce que le gars est tout ça avant qu'il y a fini la vidéo, vraiment. Les joies du montage. C'est vraiment ça. C'est pas un god. Pas un god. Une femme un peu meilleure, non? Hein? Trois tétons? Hein? Trois petits tétons? Les tétons? Ouais, je suis dit, c'est le truc froid ici. D'accord.